Je m'appelle Alaji Traoré Boukari. Je suis le responsable de la rivière Wendambobo. Il faut aimer ce que tu fais. Quand j'ai commencé, tout le monde faisait la prestation. Moi, j'ai dit ça, ce n'est pas la solution. J'ai commencé avec une tonne. J'ai décortiqué, j'ai mis dans les sacs, venu vendre à Bobo. Sur place, ils ont payé. J'ai vu que ça, c'est rentable par rapport aux prestations. Puis ces prestations-là, ça fait 2 jours ou 3 jours par semaine. L'avantage avec les producteurs, déjà ils sont devenus des entrepreneurs. Parce qu'avant ils étaient des producteurs de consommation. Grâce aux formations, ils ont compris qu'on peut transformer, vendre et puis manger là-dedans. Donc ils ne sont plus comme les autres producteurs, ils sont devenus des entrepreneurs. Je me nomme Zakaria Ouedraogo, je suis producteur de riz. Ça fait 3 ans que nous travaillons avec Faso Malo, qui est notre partenaire potentiel sur la commercialisation du riz. Nous avons reçu d'abord des formations sur la structuration, le fonctionnement et la gestion d'une coopérative. En plus de ça, nous avons reçu des formations sur l'entrepreneuriat agricole. Donc il y a eu vraiment une amélioration. Surtout la gestion d'une organisation qui vraiment nous fait avancer dans nos OP. C'est-à-dire que ces formations ont amené les producteurs à avoir une autre façon de penser, une autre façon d'aborder justement leur activité qui est la production du riz. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le producteur ne produit pas parce qu'il veut simplement produire, mais il produit parce qu'effectivement, il est en relation avec un acheteur. Et grâce aussi à l'agriculture contractuelle, nous avons reçu des contrats. Avant, bon, on avait des difficultés d'écoulement des produits. Mais au jour d'aujourd'hui, bon, c'est comme on vend le riz avant donc, la production. Donc tout ça, c'est une amélioration pour nous les producteurs. Je suis fier de ça. Nous, on veut d'ici 2022 qu'on puisse nourrir la population de Bobo-Dioulasso, 1 million d'habitants. Voilà notre vision d'ici 2022.